Avant de retourner à Kurong, on peut peut-être récupérer un autre perso. Mais je sais plus où c'est. C'est là. Voilà. T'as planifié tes 2 semaines de vacances par du travail? Parce qu'il te noie sous des devoirs, ces grands malades. Mais t'aimes ça. Non, ce qui est chouette, c'est que tu sois aussi impliqué dans tes cours. Ça va payer. Alors, en fait, je crois que c'était le seul endroit où j'avais besoin d'aller. Hein. J'ai jamais venu ici. Sur le remaster, j'entends. Et cette zone, en fait, elle me dit rien dans l'original. Même celle-ci, elle me dit rien. C'est le château de Dracula, ça, non? Oula, je suis en train de m'enfoncer dans un truc, là. Il y a plein de villes qui me disent rien du tout. Reviens s'il te plaît, je t'aime. Non. Oula. En ce moment, tu calcules la distance, l'ensemble de la distance entre tes os. Et tu es un mésomorphe. C'est quel genre de mutant, ça? Trop bien. Rien qu'avec la musique, on sait que c'est un jeu PS1. Salut Noiro. Effectivement. Un super jeu PS1. Attends, il se passe quoi là? J'ai pas fait genre marche arrière, je me trouve dans des salles différentes. Attends, j'ai rien bu ce soir. Oh putain! C'est chaud patatos là un peu. Bon bah va falloir les tuer. Hein.
Non, j'ai mieux. Courage, fuyons. Tu n'as pas ta tasse habituelle d'eau ou de café? Si. Le café, je l'ai déjà enfilé, la tasse... Enfin, le truc d'eau est là. Pourquoi ça? Démarrer le live par un café, c'est le rituel. Parce que j'ai dit que j'avais rien bu. Ah oui, mais... Rien bu à part de l'eau. Il y a tellement de villages et tout ça. Et ben voilà, tiens. C'est une caractéristique en fonction de la population. Ah, le mésomorphe. C'est comme si il y avait trois types Pokémon en général. Alors, où est-ce que je suis pas allé? À Wakatu, à Baccarat. Jack. Je sais pas s'il y a des persos à recruter ici. J'ai pas l'impression. Hein. Et le dernier, Wakatu. C'est plein de fantômes. Il te faut au moins une personne de là-bas pour voyager en toute sécurité. D'accord, donc il faudra un fantôme dans l'équipe. Ça me rappelle rien, ça. Quoi qu'il en soit. Bon, j'ai fait vite fait un tour, mais à mon avis, il y avait des persos à trouver. On verra plus tard. Déjà, il y en a un au bar, normalement. Et on avance.
En fait, je vais la laisser celle-là. Est-ce que ça va? Oui, ça va. Ça te dirait de traîner avec moi avant la prochaine mission? Bien sûr. De toute façon, Rufus m'a dit de te surveiller. Enfin, de prendre soin de toi. Bientôt, elle te laissera même pas voir l'écran quand elle viendra réclamer à manger. Non, mais je crois que je vais lui donner un vent maintenant. Enfin, je sais pas. Donc on a Lisa, on est en train de former une petite équipe là, c'est très très bien. Il me faut juste un leader là-dedans. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah, les cibles. Ça sert à rien ça. Quoi qu'on peut peut-être débloquer des skills ici. Hein. Hit 5 sur 6. Tu m'étonnes, je me suis défendu. Bon, j'ai eu des informations comme quoi Joker pourrait apparaître, faire une apparition lors d'un événement masqué au palace de Shingro. Des volontaires pour y aller? Oui, moi. Emilia, c'est vraiment une surprise. Ben, il s'agit de danser, non? Ce sera parfait. Ça pourrait marcher. Ok, tu iras avec Lisa. Et Annie? J'ai un autre travail pour elle. Quoi? C'était pas comme ça que c'était prévu? Ok. Emilia, n'oublie pas ton masque. Tu ne pourras pas participer si tu n'en as pas. Pas de soucis, je l'oublierai pas. Peut-être que je rencontrerai un prince masqué? C'est étrange. Ça n'a pas l'air d'être un... comment dire, un bal. Emilia, mets ça. Non merci, j'ai ramené ma propre tenue. Allez, mets-le. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un costume de fête? C'est bien assez pour un tournoi des arts martiaux. Un tournoi des arts martiaux? Mais c'est pas un bal? De quoi tu parles? Tu ne savais pas que le palace de Shingro tenait un tournoi des arts martiaux masqué tous les ans? Mais vous m'avez complètement eu! Vous m'avez piégé. C'est toi qui t'es porté volontaire. Allez, dépêche-toi. On dirait qu'il y a Catwoman en rose, quoi. Ah, ils ont des grosses têtes, les persos. Je te regarderai depuis le côté du ring. C'est tellement excitant. Hop, comment je vais cramer la place. Quel est votre nom de ring? Hein? Le Tigre Rose. Tigre Rose. Ok. Rendez-vous dans la salle suivante. Premier match. J'ai du bol, j'ai bloqué les deux. 3. Bon, il meurt lui. L'aspirateur là.
D'accord. Oula. Bon, en même temps, je peux pas me taper moi-même, je pense. Et la finale. Ah non, je suis confuse. Ridicule, mon pote. Ouais, ça, c'est le truc bien chiant. Tiens, vas-y, arrête-le, ça. C'est considéré comme une attaque à distance, donc il peut pas utiliser sa technique, a priori. Maintenant, je connais tes attaques. Ouais, mais t'es quand même vaincu, mon pote. Félicitations. Hey, c'était Joker. Ah, cette fois-ci, on a un petit peu de story. J'ai vu Joker. Qu'est-ce que tu es censé être? Censé être? Je suis le Tigre Rose. Allons à sa poursuite. Bon, ça c'est un truc qu'on a déjà fait avec Red. C'est exactement le même passage. Hein. Ça me fait marrer que sa grosse tête de chat là. Ah mais j'ai trois persos avec moi. Je me souvenais plus comment on fait. Tu n'as pas chaud dans cette tenue? Non, ça va. Ouais, Joker, qui a invité ce type? Faut que je vois les skills de l'autre perso, à mon avis, elle en a trop là. Bah non, pourtant. Mais non!
C'est pas très grave. Waouh. Ça, c'était une interception. Tu ne sais pas que tu es dans une zone interdite? Est-ce que vous avez vu un homme masqué? Oui, je l'ai vu. Où est-ce qu'il est parti? Je ne te le dirai pas. Pour ainsi dire, il m'a dit de me débarrasser de toi. Eh ben, c'est ce qu'on va voir. Ça c'est fait. Bon, c'était pas un boss, hein. Tu ne t'échapperas pas la prochaine fois, Joker.